comment allez-vous? Ben, ça va très ça bien. Va ouais. Bah, ils ont, vous, ont, vous avez une belle plante là, hein? Ah oui, oui. C'est ce qu'on trouve dans les marais ou. Les filles viennent, elles trouvent que le décor est très joli. Ah. Les chaises rondes, très, je trouve que c'est très élégant. La chance que la résidence L'Accueil a eue, c'est d'avoir bénéficié d'une décoration choisie, dessinée par Christian Lacroix lui-même. Faire entrer l'art dans un établissement, dans un EHPAD médico-social, c'était pour moi une belle aventure. Du coup, nous avons eu M. Lacroix qui est venu et là, ça a été... voilà, on n'y croyait pas. Sur le moment, on n'y croyait vraiment pas. Mais c'est un monsieur qui est très avenant, qui nous a énormément écoutés, vraiment. C'est quelqu'un de très humain, qui avait une préoccupation sociale assez forte. Et j'allais dire techniquement ou artistiquement, il avait une expérience pour tous les lieux qui accueillent du public. C'est déjà plus joyeux pour nous. Voilà, on arrive avec plaisir dans l'établissement parce que c'est gai. L'idée, c'était c'est que les gens soient chez eux, quoi. Soit chez eux, avec quelque chose de beau. Ça a amené aussi des conversations, parce que ben voilà, ça retrace notre Camargue, ça retrace notre histoire, ça retrace voilà, notre village et tout ce qui peut aller, et des souvenirs des résidents. Parce que du coup, ben, on parle d'Arlésienne, c'est voilà, les Arlésiennes, les raseteurs, les taureaux. Après, il a proposé des ailleurs, avec des éléments végétaux, avec l'idée était de marquer chaque étage par, avec une thématique un petit peu différente, une couleur aussi différente. Chaque entrée de chambre a sa fleur, et du coup, c'est vrai que les résidents, souvent, « Non, mais je suis là, je suis au lycée, hein, ah, bon, d'accord !» C'est vrai qu'ils se repèrent aussi un petit peu comme ça. Des fédérateurs, ce qu'on travaillait avec les familles, les résidents et les salariés, bien sûr. Et cette fusion qu'on a eue et l'écoute, et autant pour les résidents ou en unité Alzheimer, c'est pareil, on a travaillé sur des couleurs, ils ont travaillé avec les psychologues, les médecins, pour vraiment que ça soit un endroit apaisant pour eux. J'ai remarqué que je sortais de mon bureau parce que j'entendais plus de brouhaha. Les résidents se sont retrouvés apaisés quasiment du jour au lendemain avec cette décoration parce qu'en fin de compte, prendre soin de la personne, c'est aussi prendre soin de son âme. Dans les réalisations qui restent à mener, nous avons effectivement l'installation d'un salon extérieur pour les goûters, mais également aussi d'avoir une table d'orientation qui permettra de reprendre les différents points de repère importants pour les Vauverdois, que ce soit le Mont-Aigoual qui domine le Gard, que le Pic Saint-Loup aussi qui fait partie du paysage local. Et le cadre de vie, l'environnement, la décoration en fin de compte, c'est important, aussi important que de prendre le soin du corps.